Alors, l'année du singe, on y va. Donc, l'année du singe va nous aider à traverser les périodes de stress. Le corps humain aura besoin d'activité. Il faudra le respecter, soit en allant faire du sport ou faire de longues promenades. Pour cette année, les disputes et les problèmes vont se multiplier. Il ne faudra rien considérer comme acquis, aussi bien sur le plan politique, financier ou professionnel, ainsi que sur le plan familial ou émotionnel. Durant cette année, les esprits créatifs, inventifs, intuitifs et audacieux remportent tous les succès. La période favorable au courage, à l'action et à la réalisation de tous les projets les plus improbables. Donc, il est temps de commencer ce que vous avez envie de faire, car l'influence du singe leur permettra d'aboutir. Mais attention quand même à ceux qui parviendront à résister aux difficultés et à déjouer les plans de certaines personnes néfastes et à poursuivre leur but s'en sortiront indemnes. Par contre, les personnes néfastes, ennuyeuses et qui ne savent pas gérer leur stress seront complètement dépassées par tout ce qui pourrait leur arriver.